Connaissez-vous la première chronique sponsorisée à la télévision française ? Nombreux sont les téléspectateurs des années 75 à 85 à se souvenir des émissions de télévision, pour une raison simple. La télécommande n'existant pas à l'époque, ou très peu, les émissions étaient regardées sans coupure, de publicité et sans zapping possible. Et durant les vacances scolaires, était diffusée une émission croque-vacances sur la première chaîne, qui allait devenir plus tard TF1. Une émission destinée aux enfants, animée par Claude Pierrard et sa mascotte, le lapin Isidore. Vive le temps de... L'émission réalisée par Gérard Bouloui était un rendez-vous télévisuel qui proposait un panel de dessins animés, de séries, de reportages sur la nature et les animaux, des rubriques bricolage, cuisine, mais aussi une rubrique magie. C'est l'étonnant Gérard Bakner qui assurait, avec le talent qu'on lui connaît, cette chronique. Et tout naturellement, le succès entraînant le succès, sa chronique très suivie devint la première séquence télévisée sponsorisée par une marque. Cette marque, c'était Pierrot Gourmand. La date, le 24 décembre 1986. Étonnant, non ? Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu, ou bien commentez la vidéo, encore mieux, abonnez-vous, évidemment.